Et salut tout le monde, c'est XX77 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Exacraft où on va faire quelques machines comme je vous l'ai annoncé, où l'on va notamment faire une machine à poulet ici et une machine à vache ici. Donc vous demandez où je suis, en plus il y a un petit beacon là. Donc je suis... C'est une salle que j'ai creusée très récemment, il y a 5 minutes. Non, il n'y a pas 5 minutes, il y a 1 heure. En fait, j'avais mis le beacon ici, le temps de creuser toute cette salle. Donc j'ai fait un truc symétrique par rapport à ça. Pour ces salles jusqu'ici, j'ai fait des escaliers. Et après, j'ai réatterri sur un endroit comme ça. Et je sais pas... on a 46 de... En hauteur, on va aller jusqu'à là-bas. Je sais pas si ça va s'arrêter au même. Je pense pas. 49 fois, c'est pas du tout la même chose. On sait, on s'en fout. Ces machines, elles sont faites pour déjà. En fait, j'avais un Fire Aspect. Je me souvenais plus. C'était quoi ce que j'avais eu à la pêche? C'était un livre Fire Aspect. Je sais plus si je vous avais montré ma dose d'or. Je me souviens plus jamais avec les scènes que j'ai découpées pour l'épisode précédent. Donc, aujourd'hui, on va faire le système de poulet, de machine à poulet, qui est celui de... J'ai un doute. Je crois que c'est Xizuma. Mais j'ai vraiment un doute. Je vous reconfirmerai ça quand j'aurai fait une ellipse pour aller chercher des poulets. Puisque en fait j'ai aucun œuf. Donc déjà, on va faire ça. Puisque je me suis trompé. Fortune. Ça on va enlever. On va garder ça. On va faire. Un coffre ici, on va faire une table de craft tant qu'on y est. Hop, je crois que c'est une des premières vidéos redstone sur cette série. On a fait beaucoup de déco, pas beaucoup de redstone. Donc ensuite on va essayer de faire un hooper. Pas non, on a déjà fait un hooper. Un dispenser. Donc le dispenser ici, j'ai besoin d'une dalle. On va faire en stone, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus beau. Donc c'est vraiment une machine très très compacte. Je me suis trompé. C'est une machine très compacte et qui marche très bien, me semble-t-il. Je n'ai jamais testé. Mais de toute façon, des poulets, on n'a pas besoin d'en avoir énormément. Hop. On va faire de quoi. Bon, on va mettre tout ça là. Deux repeaters. Surtout que cette... contrairement à celle de Zephyr où ça ne manque un bloc de redstone, un sticky piston, plusieurs sticky pistons me semble-t-il aussi. Celle-ci, par contre il n'y a pas le mode... le mode... Oui c'est un mode que... Le mode... je me suis trompé. Soit on prend des œufs, soit on prend des... Soit ça... Enfin, soit ça drop des œufs, soit ça drop des poulets. J'ai un doute sur les tics. Hop. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et normalement, si un objet... Hop. Voilà. Il est drop. Et... Puisque ce sera un œuf, il s'écrasera. On mettra une vitre ici. Plusieurs vitres. Donc ensuite, on recouvre.
Donc vous avez vu, c'est quand un objet rentre dans le dispenser, donc le comparateur détecte l'objet, détecte qu'il y a eu un objet, donc il va donner un signal jusqu'à ce comparateur. Je ne sais pas pourquoi c'est un comparateur, me demandez pas, je suis pas un expert de la redstone non plus. Attendez. Yo. Ma chienne, elle fait un cauchemar, la pauvre. Du coup, le courant va ici, va donner un signal de redstone au dispenser pour qu'il éjecte l'item. Et quand ce sera un œuf, il explosera contre la vitre. Ce qui va nous donner. Qui va nous donner un petit poulet par chance. Et ici ça c'est ce qui permet de reset par exemple. Hop. Voilà, tout simplement. Et là ça nous le renvoie dans le coffre directement puisque mince puisque bah, le hopper prend directement l'objet. Alors on va faire. On va refermer. J'ai pas pris assez de stone brick. De toute façon, j'ai plus besoin de stone. Non, 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 on va pas bloquer ici. Ah, j'ai pas pris de saut de lave. Bon, là, je fais une déco assez rapide. Ici, on s'en fout. Ici, la lame de lave. Ici on peut boucher. Tout ici on peut boucher. Notre système est déjà fini. Hein. Je peux vous le dire, je peux vous le garantir. En fait je me suis trompé, il fallait plus de hoopers. Hein. Bon, c'est pas grave. J'en ai quelques-uns d'avance et c'est pas le fer qui nous manque. Donc de toute façon on va reprendre de la stone brick. Hop. On va reprendre ça. On a besoin, j'ai dit, de hopper. Donc c'est bon, j'ai ça. Et je vais prendre ça. Hop. Et d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué. Mais en fait, j'ai. À la place de Haste 2, j'ai mis Speed 1. Speed 2. Pour le. Notre beacon puisque j'en ai plus de réelle utilité puisque j'ai creusé toutes les grandes salles et du coup c'est bon donc oh là là et en plus j'ai il m'en manque un il m'en manque un il m'en manque un quoique non si. Ici. De toute façon, on s'en fout. On va en remettre un, ça permettra de placer plus de poulets à. Non, non, et on peut en mettre une infinité sur un bloc, mais ils seront moins entassés. On est gentil avec nos poulets. On est gentil. Bon, même si on va les faire cramer dès qu'ils vont être adultes. Mais on est gentil avec eux. Voilà. Oui, bien sûr, j'ai pas fait de coffre. Hop. Et voilà, un dernier petit hopper. On va retourner à notre salle. Donc là, ça va être plus être un endroit pour les machines pour farmer. Punaise, mais la machine, elle fait beaucoup de bruit, je trouve. Sale gosse. Hop, voilà. Et du coup, si je drop ça, et ça, ça a pas voulu. Eh, ouais, c'est bon. Il y a un petit lag et voilà, ça doit tout redonner.
On va placer ça. Et on va placer les carpettes. Je ne sais pas. J'ai pas compris qu'en anglais pourquoi ça servait à quelque chose de placer des carpettes. Vous me le direz si vous avez une idée. Il me semble que c'est pour les lags. Puisque si on se reconnecte, des fois le poulet il va se générer dans les murs et c'est pas trop ce qu'on veut, quoi. Je vais chercher une glowstone. Je pense que une redstone lamp ça va faire bugger notre système. Donc on va prendre une glowstone façon. C'est pas pour faire une peau. Normalement elles sont ici. Et d'ailleurs, pour l'usine à slim, je vais vous montrer. Voilà. presque 3 stacks. Donc c'est très productif pour le moment. C'est parfait. Ah, j'ai oublié de prendre du verre. Bon, de toute façon, on va faire une ellipse. On va faire une ellipse. Comme ça, on va retrouver nos poulets et nos verres. On va juste placer ici notre petite lampe. Petite lampe. Je ne sais pas. Bon, bah. Au revoir, Tomro. voilà. Donc on mettra nos poulets ici. Mais je vais vous montrer ça plus tard. Hop. Ah, il faut que j'aille voir chez Digger s'il en a. Donc je vous retrouve tout de suite pour quand on aura ramené les poulets et qu'on aura fermé un peu tout ça. Et on aura mis la lave. Bon. Eh bien... Je pense qu'à la place d'aller chercher des poulets, je peux me servir là. Bah Doroso, je ne sais pas où tu as eu tous ces œufs. Tu dois avoir une machine à poulet quelque part. Bah je t'en pique quelques-uns. J'aime bien. Je regarde un peu sa map. Là on voit la belle Iron Foundry. Là, son passage en Minecraft est là. C'est l'endroit de la carte. Et bug graphique, regardez. Hop. Bref, et là, on voit son cabanon. Là, on voit ses cultures. Là, c'est son cabanon. Quoique, c'est peut-être... Si, c'est les cultures. Bref. Donc, là-bas, j'ai récupéré les œufs. Je sais pas où il les a eu. Je sais pas de quel. Je sais pas s'il a un système à poulet quelque part. Mais bon, je vais piquer des œufs. Hein. Si vous les récupérer, de toute façon, je vais essayer de faire un système pour récupérer des œufs avec cette machine. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc nous revoilà enfin avec nos poulets. Oh bah du coup, puisque de Roseau avait plein d'œufs, bah du coup j'ai pu en faire spawn plein, F3. Je sais pas combien on en est d'entité, hein. On doit être à 30, non quand même pas. Attendez, où sont les 340 entités? Elles sont pas là quand même. Elles sont... Attendez. Ouais, non, mais elles sont au spawner. Oui, non, c'est le spawner à squelette avec toutes les flèches, etc. Ici, ouais, il y a une trentaine de poulets. Ça suffira pour faire un truc qui produit assez. Donc là, ils sont encore tous petits, ça fait rien. Enfin, ça ne va pas produire énormément. Mais ça convient. Donc là, nous avons un dispenser pour la lave, pour mettre en mode on-off au niveau des œufs. Donc si, par contre, je sais pas pourquoi il faut appuyer deux fois. Il faut que ce soit
Quoique, ce serait, il faudrait que j'appuie sur un bouton. Ouais, attendez, on va aller chercher un petit bouton en bois. Quoique, oh, on peut en faire un. On peut en faire un. Hop. Voilà. Ça récupère la lave et là, ça lâche. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, dans ce mode-là, quand le poulet va arriver, bah, il va être tout petit encore. On va devoir attendre, 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 attendre. Jusqu'à qu'il grandisse. Et comme un petit bébé fait moins de 0,5 ou fait à peine 0,5 blocs, il va survivre ici. Et quand il va grandir, il va faire un bloc. Ou 0, non, un bloc, on va dire. On va pas aller dans les 0, etc. Donc le 1 bloc, du coup, il va aller dans la lave. Sa tête va être dans la lave et il va mourir. Et comme il va mourir par le feu, il va donner des poulets qui sont directement cuits et des plumes. C'est pas trop utile les plumes, mais on s'en fout. Du coup, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est tout pour la machine. Et du coup, quand on l'active dans ce mode-là, les poulets vont continuer à grandir ici et vont continuer à drop des œufs. C'est tout. Ce sera la forme on de produire des poulets. Pas des poulets, des œufs. Donc on se retrouve tout de suite pour la machine à vaches. À tout de suite. Et on se retrouve une nouvelle fois. Juste avant, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai une méga salle comme ça. En fait, j'avais commencé à faire mon spawn à Slim. Attendez, on va se faire. On va voir. J'en vois pas, mais à mon avis, ils sont dans le coin, donc c'est normal qu'on les voit pas. Ouh, j'ai une grosse baisse de FPS. Puisqu'en fait c'était le début du spawn à Slim, mais en fait quand je me suis renseigné, les Slim spawn en dessous de la couche 40 et là j'étais à couche 50, vous voyez en haut. Du coup bah, c'était pas bon. Là les poulets ils ont pas eu le temps encore de grandir. Donc là on va s'attaquer à la machine à vache. La machine à cuire et à... Comment ça s'appelle? Bon alors... Putain, ça m'en a refait faire. La machine à... Bah, bouffe et à cuire. J'ai encore oublié un hopper. Je peux en refaire un ici. Je peux en refaire un ici. Boum. Ah, mais de toute façon, il me faut deux autres coffres. Hop. Voilà. On fait ça, on fait ça. Donc là, on va d'abord commencer par le plus simple, le stockage. Le plus facile des systèmes de redstone, puisqu'il n'y a pas de redstone dedans. Donc le hopper qui sera dirigé vers le coffre, quoi. Donc ensuite on va faire ça, on va prendre nos panneaux, on va les mettre ici pour éviter que la lave quand elle sera dispensée ne tombe sur la gueule, ce serait préférable. On va mettre un petit peu de verre. Ici on va laisser, on ne sait jamais si on veut faire de la déco. Ici on va bloquer, ici on va bloquer. Ici on va faire un petit L à l'envers. Puisque là, on aura le stockage à vache. Ici. Hop. On va mettre ça. Et on va mettre le deuxième dispenser ici. D'ailleurs, attendez, je vais juste vérifier le nom du youtubeur que j'ai. Alors, c'est Niklas Blokos Minecraft. Le lien du tuto sera dans la description de toute façon. C'est sur lui que je recopie la machine. Alors, ensuite déjà, il va falloir mettre un autre panneau ici pour éviter que l'eau coule en bas. Ce serait préférable aussi. On va reboucher ici. Franchement, là, je vous montre des machines qui sont très simples de confection, qui
demande très peu de redstone. Ensuite, on va placer deux blocs ici. Et on va placer nos deux boutons. Donc, le premier bouton qui sera ici directement sur le dispenser pour activer activer l'eau. Mais je vais vous expliquer à quoi sert l'eau et là ce sera le dispenser de lave. Le dispenser de lave qui servira à tuer les vaches. Le dispenser de l'eau qui permettra de. Qui nous permettra de. Comment. De. Mince. De faire lever les. Comment. Je ne sais même pas comment expliquer. Je vois comment. Comment vous le dire à peu près. Mais non, j'y arrive pas. Qui fera sauter les vaches. Et ce sera plus facile de les faire reproduire. C'est dégueulasse. Dit comme ça. Oui. C'est dégueulasse. Mais c'est ça. C'est ça. Puisque si elles sont toutes agglutinées. Qu'elles soient dans un seul et même endroit. Eh ben, ce sera plus difficile de les. De leur donner du foin. Alors que si vous leur donnez maintenant, enfin, putain, je raconte des conneries en plus. Si vous les faites sauter par l'eau, d'ailleurs, bah, de toute façon, je vais vous montrer après, mais les vaches, vous pouvez mieux leur donner du foin une par une. Voilà. Donc, ce bouton-là, ce sera pour le dispenser à lave. Il va mettre un signal ici, 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 qui va activer le dispenser. Mais on va faire un système pour que le système se reset, que ça active pas, que la lave reste pas. Donc on va faire ça. D'ailleurs, on se trompe de bloc, c'est magnifique. On va mettre ça. Un petit fil de redstone pour que ça passe. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un escalier pour que la redstone se relie ici et ici. Ensuite, vous mettez une torche. Hop. Vous. Non, pas ici. Vous mettez un répéteur réglé sur 4 tics. Vous prenez un petit piston. Vous faites ça. Et vous placez le dernier bloc du système. Ce fut un système très 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 compliqué à faire. Et oui. Non, je déconne, c'était plus simple. Au moins, ça vous permettra d'avoir de la bouffe et du cuir pour faire des livres. Moi, je vais utiliser beaucoup mes livres. Mais bon, j'en ai plein. Du coup, ça, en fait, quand on va activer le bouton, ça va émettre un signal. Qui va baisser. Non, attendez. Ça a été trop vite. Voilà. Le piston s'est baissé. Et du coup, quand le piston se baisse, et ben le signal donné par le repeater et ben passe à travers ce bloc et redonne un coup de redstone dans le dispenser ici, qui fait rentrer la lave. Donc on va déjà mettre notre seau de lave ici. On va mettre notre seau d'eau ici. On va bloquer ici. Là on mettra des échelles. Et par exemple, je veux activer ma lave. Voilà. Et voilà. Et du coup, les vaches vont cramer. Et quand elles vont mourir, eh ben, elles donneront leur petit steak et leur petit cuir. Ce fut aussi simple que ça. Et maintenant, je vais aller chercher des vaches. Par contre, là, je sais où je vais aller. Je vais aller chez Diggers, puisque lui, je vais vous montrer les vaches de vaches totalement ouf qu'il a. Et je vous retrouve bah, tout de suite à sa base. Et donc, voilà le grand élevage de Diggers, un petit mouton. Bon, non, je déconne. Le nombre de vaches qu'il y a, mais c'est. Il y en a 100 et quelques. Oh, il y en a plus de 100. 160, je vois. Mais ça se trouve, il y a des mobs hostiles qui sont dans les grottes et qui sont comptés dedans. Là, je vois 180. Voilà. Bon, alors, on va.
Essayez déjà de pas. Bon, si, sors. Sors. Eh, il y a un truc dans. Il y a un mini zombie! Il y a un mini zombie! Eh, il va me tuer. Non, j'ai pas réussi à sortir. Putain. Il faut que j'arrive à sortir de ce truc. Non. Sache back. C'est du cheat, je le sais. Mais par contre... Je vais me faire spawner par un putain de mini zombie. Diggers, je suis désolé pour tes vaches. Oh. Bon. Deuxième mort, c'est magnifique, par un putain de mini zombie de merde. Et bon, il m'a rendu ma pioche. Oh là là, ce mini zombie. Regardez, bon, il y en a pas mal qui sont sortis, mais bon, il y en a plein. On va cacher l'épreuve. Hey, dégage, t'as une épée. Putain, j'ai le seum. J'ai eu le seum. Hey, mais vas-y, dégage, j'en ai marre. Mini zombie de merde. Bah, c'était une mort de noob. Ça, je vous l'avoue. Je suis. Là, c'était une grosse mort de noob. Putain, mais qu'est-ce qu'il foutait dans un parc? Bon, allez, on va prendre les petites vaches. Hop. Voilà, allez, on y va, les filles. On y va, les filles. Et du coup, bah, je vous retrouve quand je serai chez moi et que je les aurai rentrés dans la machine. A tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai ramené les vaches. Ce fut assez simple. Sauf que, sans faire exprès, j'ai cassé un bloc et du coup, il y en a deux qui sont tombés là et deux qui sont dans le truc là. Comment ça s'appelle? Oh putain, les lags. Oh mon dieu, méga lag. Merde, comment ça s'appelle? Voilà, le conteneur, on peut dire. Du blé. J'ai besoin de blé. J'ai besoin de laders. 7, ça nous suffira. Pour que je vous montre un petit peu la machine. Alors. Alors, ça, il faudrait que je rebouche. Puisque j'ai plus le beacon ici. Alors, est-ce que les poulets ont grandi, donc normalement bientôt il y aura ça droppera des œufs. Ça a déjà dû en dropper en fait, sauf que ça n'a pas fait éclore de poules. Alors, nous avons normalement quand il n'y a rien, nous allons d'abord activer le bouton d'eau. D'ailleurs, je mettrai des item frames ici pour mieux s'y retrouver. Donc, on va activer le bouton là. Donc les vaches vont sauter. Quand il y en aura beaucoup plus, ce sera plus révélateur. Et du coup, on va les faire se reproduire. Moi, j'ai pas envie que le petit tombe. Eh ben, il est tombé comme un con. Il faudra que je bloque ici, histoire que je fasse reproduire plein de vaches et que ça soit qu'il y en ait plus d'affilée. Donc je vais bloquer un nouveau succès. Donc, quand les vaches auront grandi, du coup, ces deux vaches vont me servir d'exemple. On va activer le bouton. Il faut que ce soit un bouton en bois et pas en pierre, puisque celui en bois met plus de temps à revenir en position initiale que le bouton en pierre. C'est quelque chose à savoir. Et en fait, ça n'avait pas marché une fois pour moi. C'était pour celle de Zephyr. Celle-là est à peu près pareille. Si ce n'est exactement la même. Non, c'est pas exactement la même. Non, c'est pas du tout exactement la même. Je m'en souviens. Celle-là, je la trouve beaucoup mieux. Donc, nous allons voir. On va activer la lave. Les vaches crament. Bon, il y en a une qui s'est pris des coups avant, donc c'est normal qu'elle... Oh. Bon, bah, ça me les a drop directement, c'est pour ça qu'il faudrait placer des blocs ici. Bon, j'ai aucun bloc. Mais normalement, ça va là. Ça, je prends.
Bon, bref, on a eu 4 coquettes steaks quand même et un lézard. Et bah, la machine est finie, je ferai la décoration. Donc on a deux belles machines à bouffe. Vous voyez, là ça vient de balancer un œuf et il y a deux petits poussins. Donc on a fait deux belles machines à bouffe. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire. Et surtout allez voir les chaînes des deux personnes qui m'ont inspiré pour ces deux machines. Donc Zizuma et le mec avec un nom chelou. Et bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour peut-être sûrement un peu de déco. Allez, bye tout le monde. Non, Ravi! Tu vas mourir, tu vas.